Et salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tirage du jour. Vous allez pouvoir choisir parmi deux cartes avec l'ange bleu et l'ange rouge. C'est à vous. On va découvrir les cartes. La première est l'ange de la santé avec l'ange bleu. La deuxième carte avec l'ange rouge est l'ange de la prospérité. Si vous avez choisi l'ange bleu, l'ange de la santé, voici votre affirmation. J'honore ma demande de bonne santé dès maintenant. Les thèmes qui peuvent être abordés avec cette carte sont le bien-être, l'équilibre intérieur, la résilience énergétique, l'endurance, la créativité, l'appétit de la vie, l'harmonie des relations. La santé renvoie à l'énergie et à la vitalité pour profiter de la vie. Lorsque nous sommes physiquement fonctionnels, nous pouvons participer avec joie aux activités qui nous procurent du plaisir. La santé honore ce que nous sommes. Elle nous enjoint à nous tourner vers la vie, à faire preuve d'attitudes positives qui affirment notre valeur et soutiennent notre capacité à profiter de chaque instant. La bonne santé nous permet de nous ancrer en nous-mêmes. Elle aligne notre équilibre physique, notre stabilité émotionnelle et notre clarté mentale pour le plus grand bien de notre esprit, de notre corps et de notre énergie. Nous nous retrouvons en situation de lutte constante sans elle. Elle englobe les cycles naturels du changement en s'adaptant aux variations de la météo et de la lumière et en suivant le rythme des routines quotidiennes. Votre santé réside dans votre capacité à vous adapter au changement. Nous demandons à l'ange de la santé de nous accompagner dans les défis nécessitant un effort physique soutenu, un équilibre émotionnel stable et un esprit vigilant. Cet ange nous aide à construire des habitudes saines qui maintiennent notre corps fonctionnel et stimulé. Plus nos réserves d'énergie sont grandes, moins nous nous fatiguons. Développer des pratiques saines amplifie votre immunité afin que vous puissiez faire ce que vous aimez pendant de longues périodes. Cet ange vous demande d'éviter des situations difficiles et des personnes négatives qui drainent votre énergie. Il vous invite plutôt à profiter de la détente et du repos, à nourrir de bonnes attitudes pour vous permettre de rester heureux et ouvert en changement. La santé, c'est la vie. Voici votre prière. Cher ange de la santé, je te suis reconnaissant de mon bien-être. J'honore ma capacité à voir le bien dans la vie et j'exprime ma gratitude pour ma belle santé. Je sais qu'elle affectionne tout ce que j'ai et fait de manière positive. Vous avez choisi l'ange rouge, l'ange de la prospérité. Voici votre affirmation. Je suis prospère et ma vie est abondante. Voici les thèmes qui peuvent concerner cette carte. Prospérer et s'épanouir en faisant ce que l'on aime. Avoir du succès. Vivre une vie abondante, riche en amour, en paix, en santé et bonheur. Et être reconnaissant pour tout ce que nous avons. La prospérité signifie vivre en abondance suffisante, sans souffrir d'aucun manque. Être prospère, c'est savoir ce que nous méritons, d'accéder au meilleur pour nous-mêmes. Vivre dans la prospérité ne revient pas à quantifier ce que nous détenons, mais plutôt à l'établissement de la conviction que nous détenons suffisamment. La prospérité est un état d'esprit tourné vers la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Remercions le divin et chantons ses louanges pour tout ce que nous possédons. Pour faire l'expérience de la prospérité, nous devons affirmer combien nous sommes bénis. La bonté infinie émane du divin. Nous sommes prospères lorsque nous savons que nous sommes accompagnés et que nous ne manquerons de rien. La prospérité est une bénédiction de la bonté qui vient continuellement à vous. Vous devenez vraiment prospère lorsque vous savez que vous détenez tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie abondante et épanouie.
nous faisons appel à l'ange de la prospérité pour qu'il nous aide à réévaluer nos vies et à nous montrer le bénéfice de nos bénédictions. Lorsque nous essayons de chiffrer notre prospérité ou de quantifier notre existence, nous perdons l'opportunité bienheureuse de réaliser que le don de la prospérité s'ouvre à nous quand nous apprécions ce que nous avons déjà. Plus vous renforcerez votre gratitude, plus vous attirerez le flux continuel du bien vers vous, à chaque instant et depuis toutes les directions. Voici votre prière, cher ange de la prospérité. Merci pour les nombreux cadeaux que je reçois tous les jours. J'aime la richesse et l'abondance de la santé, du bonheur, de la joie et du rire qui emplissent ma vie. Je sais que je suis prospère au-delà des mots. Je te suis vraiment reconnaissant. Voilà mes anges, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tirage vous aura mis du baume au cœur. N'hésitez pas à réciter les affirmations et les prières. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre, de me commenter. Je vous embrasse très fort. Soyez sages, mais pas trop.